for with the first revision program in the rebroadcast of Sous le Vif, our second year French course designed to follow on from the combined radio and television beginners course, Ensemble. It's presented by Anne-Marie Pelletier and Gilles Dattas. Tiens alors. Salut. Bonjour. Ça va? Ouais. Terrible. Formidable. Non. Comme ça. Sur le vif. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Et bonjour messieurs. Voici notre programme spécial vacances numéro 1. In this program, you will have a chance to hear some of the interviews from the first 10 programs again, as well as some interviews which you haven't yet heard. You'll be hearing about what Claude Sauvage usually does in a day, and we'll be asking you to practice your French. La vie de Claude est une vie très régulière. C'est normal pour une jeune mère de famille, parce qu'elle doit s'occuper d'Estelle, lui donner à manger et lui donner son bain à des heures fixes. Eh bien, comment se passe une journée? À quelle heure est-ce qu'elle se réveille, par exemple? Eh bien, écoutez, l'interview n'est pas dans votre livre. Eh bien, je me réveille de bonne heure le matin, par exemple à 7 heures. Je fais ma vaisselle de la veille. Je prépare Estelle. Je lui donne son petit déjeuner. Ensuite, je prépare le déjeuner de mon mari. À quelle heure est-ce qu'elle se réveille? Elle se réveille à 7 heures. And the first thing she does is the washing up from the day before. Elle fait la vaisselle de la veille. Ce n'est pas très agréable. Elle prépare le déjeuner de tout le monde et ensuite elle fait le lit. Elle fait un petit peu de ménage. Et après, elle fait les courses dans un grand supermarché qui s'appelle Leclerc. Mais est-ce qu'elle fait toutes ses courses chez Leclerc? Écoutez. Je fais le lit. Et après, un petit peu de ménage. Ensuite, mes courses chez Leclerc. Et quelquefois au marché. Est-ce qu'elle fait toutes ses courses chez Leclerc? Non, elle va quelquefois au marché. Et où est le marché? Est-ce qu'elle a un marché dans son quartier, par exemple? Eh bien, écoutez, c'est à la page 102 et c'est la deuxième partie de la deuxième interview. Avez-vous un marché dans votre quartier? Un tout petit marché avec à peine une dizaine de commerçants. Un boucher, un charcutier, un poissonnier, quelques marchands de légumes, un marchand de vaisselle à la rigueur, et c'est à peu près tout. C'est un tout petit marché. Il y a 10 commerçants à peu près. There's a man selling china. Il y a un marchand de vaisselle. There's a butcher and a fishmonger. Il y a un boucher et un poissonnier. And someone selling cooked meat and delicatessen. Un charcutier. Mais quand Claude va au marché, c'est surtout pour acheter du fromage, des œufs, des fruits et des légumes. Maintenant, vous allez écouter encore une fois Claude et la marchande de fruits et légumes. Qu'est-ce qu'elle a acheté, tout d'abord? Écoutez, c'est à la page 56. Je voudrais des bananes, s'il vous plaît. Combien en voulez-vous? Une livre, à peu près. Pas trop mûre? Pas trop mûre. 2,40 francs. Qu'est-ce qu'elle a acheté, tout d'abord? Elle a acheté une livre de bananes. Et qu'est-ce qu'elle a acheté ensuite? Je voudrais un pamplemousse rose, s'il vous plaît. Oui. Voilà le pamplemousse. Combien fait-il, s'il vous plaît? 1,80 francs. Qu'est-ce qu'elle a acheté ensuite? «
Elle a acheté un pamplemousse rose. Est-ce qu'elle a choisi des dattes ou des figues? Écoutez. Il me faut des figues, s'il vous plaît. Combien de figues? Ou des dattes. Qu'est-ce que vous avez? Il y a les deux. Je vais prendre des dattes, alors. 250 grammes, s'il vous plaît. Alors voilà, 2 francs 50. D'où viennent-elles? Alors, les figues viennent de Turquie et les dattes d'Afrique du Nord. Est-ce qu'elle a choisi des dattes ou des figues? Elle a choisi des dattes. And now you're going to hear Claude and La Marchande again. Listen out particularly for how Claude asks for what she wants. That's what we'll be asking you to do in a minute. Je voudrais des bananes, s'il vous plaît. Combien en voulez-vous? Une livre, à peu près. Pas trop mûr? Pas trop mûr. 2 francs 40. Je voudrais un pamplemousse rose, s'il vous plaît. Oui? Voilà le pamplemousse. Combien fait-il, s'il vous plaît? 1 franc 80. Il me faut des noix, s'il vous plaît. Oui, combien voulez-vous? 250 grammes. Alors, 1 franc 80. Oui, et il me faut des figues, s'il vous plaît. Combien de figues? Ou des dattes. Qu'est-ce que vous avez? Il y a les deux. Je vais prendre des dattes, alors. 250 grammes, s'il vous plaît. Alors voilà, 2 francs 50. D'où viennent-elles? Alors, les figues viennent de Turquie et les dattes d'Afrique du Nord. Combien je vous dois, s'il vous plaît? 8, 13, 17, 25, 4, 6, 8. 8 francs 50. Voilà, merci. Madame. Vous voulez 50 centimes? Ah oui, avec plaisir. Voilà, 8 et 2, 10. Merci. Merci. Voilà, Claude a fini son marché. Et maintenant, à vous d'acheter. Vous êtes en France et vous voulez acheter des fruits, du beurre, une baguette et une bonne bouteille de vin pour un pique-nique. Vous allez acheter tout ce qu'il vous faut à l'épicerie. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous désirez? Ask for a kilo of oranges, politely. Je voudrais 1 kilo d'oranges, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Next, you want some dates. Je voudrais des dattes. Oui, combien en voulez-vous? Say 250 grams. Deux cent cinquante grammes, s'il vous plaît. C'est tout? Ask for a loaf, une baguette. Je voudrais une baguette. Ah, oh, je suis désolée. Vous devez aller chez le boulanger pour acheter du pain. Well then, ask for 250 grams of butter. Je voudrais 250 grammes de beurre. Et avec ça? Ask for a good bottle of red wine.
Je voudrais une bonne bouteille de vin rouge. Voilà, monsieur. Ask her how much it all costs. Combien je vous dois? Alors, 35 francs 90. Voilà. Merci, madame. Au revoir. So, that's the shopping done. Back in Poitiers, Claude has done all hers by about a quarter to 11. Et après son marché, Claude rentre chez elle. Elle doit préparer le déjeuner. And she must feed Estelle. Elle doit faire manger Estelle. À quelle heure? Écoutez. Eh bien, je me réveille de bonne heure le matin. Par exemple, à 7 heures. Je fais ma vaisselle de la veille. Je prépare Estelle. Je lui donne son petit déjeuner. Ensuite, je prépare le déjeuner de mon mari. Je fais le lit. Et après, un petit peu de ménage. Ensuite, mes courses chez Leclerc. Et quelquefois au marché. Je prépare mon déjeuner. Et à 11h30, je fais manger Estelle. À quelle heure est-ce que Claude fait manger Estelle? Elle fait manger Estelle vers 11h30, midi, ça dépend. Maintenant, vous allez écouter Claude qui fait manger Estelle. Si vous voulez suivre dans votre livre, c'est l'interview numéro 3, page 102. Il est midi, Estelle, viens manger. Viens vite. Assieds-toi, Estelle. Tu aimes la banane? Avec du sucre? Oui. 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 Il faut manger. Mais il faut aussi parler correctement. Il ne faut pas dire... Mais oui. Elle apprend le français. But she's also learning good manners. You don't speak when you have something in your mouth. On ne parle pas quand on en a dans la bouche. And you wipe your mouth with a serviette. Not with a tea towel. Tu essuies ta bouche avec ta serviette, pas avec le torchon. Poor Estelle was finding this banana a bit of a trial. She asked her mother if she had finished. J'ai fini, maman? Pas encore. Écoutez. Il est midi, Estelle, viens manger. Viens vite. Assieds-toi, Estelle. Tu aimes la banane? Avec du sucre? Oui. 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 Estelle, tourne la tête. Dépêche-toi. C'est presque fini. Regarde. Tu n'as qu'à manger. Dépêche-toi, ça coule. Alors, on ne parle pas quand on en a dans la bouche. Non. Essuie ta bouche avec ta serviette. Pas avec le torchon. Et ouvre la bouche. J'ai fini, maman. Pas encore. Encore un peu. Très bien. Voilà, Estelle a fini de manger. Claude couche Estelle tous les jours à midi et quart. Elle va dormir parce que Claude veut déjeuner tranquillement avec son mari. Jacques rentre chez lui pour déjeuner. En France, et surtout en province, les magasins ferment entre midi et 2 heures. Et la majorité des gens s'arrêtent 1h30. Il y a des gens comme Jacques qui rentrent déjeuner chez eux. Et d'autres qui vont au restaurant ou tout simplement au café, comme les clients au café Le Continental. Après le déjeuner, Claude doit faire la vaisselle, encore une fois.
Elle refait la vaisselle. Jacques part travailler. Et Claude s'occupe d'Estelle. Et que fait Estelle? She helps Claude do the washing up, but she fools around. Elle fait des bêtises. She puts her fingers into the foam, and she sometimes breaks the dishes. Elle met les doigts dans la mousse et elle casse la vaisselle. Écoutez. Elle joue, elle m'aide, en faisant beaucoup de bêtises. Elle fait la vaisselle, en mettant ses doigts dans la mousse. Elle casse la vaisselle aussi. Après toutes ces bêtises, Claude et Estelle sortent. Elles se promènent quand il fait beau. Et quand il pleut, elles jouent à la maison. Mais Claude doit aussi faire du travail. She sews. Elle coud. She irons. Elle repasse. Elle a beaucoup de choses à faire avant l'arrivée de Jacques vers les 20h. Écoutez. Et ensuite, nous sortons, suivant le temps. Nous nous promenons, lorsqu'il fait beau. Ou nous jouons à la maison avec Estelle. Ou je couds, ou je repasse. Et après, je recommence avec Estelle. Je lui donne un bain à 18h30 à peu près. À 19h, je la fais manger. Et elle est en pyjama pour recevoir son papa qui arrive vers les 20h. La journée de travail est presque terminée pour Claude. Elle prépare le dîner et Jacques et Claude dînent vers 20h45 à peu près. Mais Claude ne fait pas la vaisselle tout de suite après le repas. She does it the next morning. Elle l'a fait le lendemain matin. It's not laziness on her part. She just prefers to relax with Jacques and talk about what they've done during the day. Écoutez. On dîne vers 20h45 à peu près. On couche Estelle. Et on regarde quelquefois la télévision. Ou nous allons au bridge. Le vendredi soir, par exemple. Ou bien nous avons des amis, tout simplement. Et je me couche d'habitude à 23h30 à peu près et je lis jusqu'à minuit. Eh bien, ils regardent quelquefois la télévision ou ils vont chez des amis jouer au bridge, le vendredi soir surtout. Ou ils reçoivent des amis à la maison. Now you're going to hear Claude again. Listen carefully, because in a minute, we'll be asking you to imagine you're Claude telling Jacques over dinner what you did during the day. Eh bien, je me réveille de bonne heure le matin, par exemple à 7h. Je fais ma vaisselle de la veille. Je prépare Estelle. Je lui donne son petit déjeuner. Ensuite, je prépare le déjeuner de mon mari. Je fais le lit. Et après un petit peu de ménage, ensuite mes courses chez Leclerc et quelquefois au marché. Je prépare mon déjeuner et à 11h30, je fais manger Estelle. Je la couche à 12h15 à peu près. Et ensuite, je déjeune avec mon mari. Je refais la vaisselle, mon mari part travailler et moi, je m'occupe d'Estelle. Elle joue, elle m'aide en faisant beaucoup de bêtises. Elle fait la vaisselle en mettant ses doigts dans la mousse. Elle casse la vaisselle aussi. Et ensuite, nous sortons, suivant le temps. Nous nous promenons, lorsqu'il fait beau. Ou nous jouons à la maison avec Estelle. Ou je couds, ou je repasse. Et après, je recommence avec Estelle. Je lui donne un bain à 18h30 à peu près. À 19h, je la fais manger. Et elle est en pyjama pour recevoir son papa, qui arrive vers les 20h. Before you imagine you're Claude, we'll go through what she did. Eh bien, tout d'abord, Claude a fait le lit. Ensuite,
elle a fait les courses. Elle a fait la vaisselle, elle a fait du ménage, elle a fait du repassage, elle a joué avec Estelle, elle a préparé le dîner et elle a donné un bain à Estelle. Et est-ce qu'elle est sortie ? Oui, elle est sortie. Le matin, elle est allée au marché et l'après-midi, elle est sortie avec Estelle. Alors, Claude, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Say you made the bed first. D'abord, j'ai fait le lit. Ah oui, avec Estelle? Bien sûr. Then you did the shopping. Ensuite, j'ai fait les courses. Chez Leclerc? Oui. Then you went to the market. Puis, je suis allée au marché. Et après le déjeuner? You did the washing up. J'ai fait la vaisselle. Oh là là! Il faut bien. You went out with Estelle. Je suis sortie avec Estelle. Ah oui, où ça? Say you went to the park. Je suis allée au parc. And you played with Estelle. Et j'ai joué avec Estelle. Et après ça? Say you bathed Estelle. J'ai donné un bain à Estelle. Et elle a aimé ça? Non, pas du tout. Maintenant, vous allez écouter encore une fois Claude qui donne un bain à Estelle. C'est à la page 47 de votre livre. Estelle déteste prendre un bain et Claude doit lui dire « Estelle, viens vite, dépêche-toi, c'est l'heure de prendre ton bain. » Estelle doit obéir à Claude. D'abord, il faut enlever ses vêtements dans sa chambre. But she doesn't like it one little bit. She tries to get out of it by pretending to have tummy ache. Tu as mal au ventre? But she can't get out of it that way. Écoutez. Estelle, il est l'heure de prendre ton bain. Viens vite. Dépêche-toi. On enlève ton pantalon. Et puis, maman. Et puis, lève la jambe gauche. La droite. Assieds-toi, on enlève les chaussures. Le lacet. Le lacet. Tu défais le nœud. Le nœud. L'autre nœud. L'autre nœud. Tu enlèves ta chaussure droite et puis la gauche. Avec les chaussettes. Tes chaussettes. Debout, on enlève ton petit slip et tu es toute nue. Et puis, maman? Et puis, tu vas prendre un bain. Non. Maman? Tu as mal au ventre? Non. Allez, tu viens? Non, 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 non.
Estelle est prête, elle est toute nue, mais elle n'est pas très enthousiaste dans la salle de bain. L'eau est trop chaude. Et puis c'est trop froid. But once it's all over, she can lie back and enjoy a good tickle. Ça chatouille. Écoutez. C'est chaud. Non, c'est pas chaud. C'est froid, maman. Non, c'est tiède. Je te lave la figure. Fais attention à tes yeux. Lève la tête, les oreilles. Donne-moi ton bras gauche. La main gauche, l'autre bras. Le droit. Ton ventre. Ton pied droit. La jambe gauche maintenant. Le pied gauche. Je chatouille les doigts de pied. Je frotte la plante du pied. Ça chatouille. C'est fini. Estelle est lavée. Elle est très propre. Oui. Voilà, spéciale vacances numéro 1 est terminée. Mais la semaine prochaine, vous pouvez écouter spéciale vacances numéro 2. C'est Catherine Walter, le jeune professeur d'anglais que vous avez écouté au programme 9. Elle va parler à Claude de ce qu'elle a fait le jour de son mariage. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. The first of three extra programs for the holiday period was introduced by Anne-Marie Pelletier and Gilles Dattas. The script was by Anne Grunberg and the producer is Susan Payton.